Mauvaise nouvelle pour les Haïtiens, particulièrement la sélection haïtienne féminine. Alors, Barella paraît très touchant. Waouh, c'est incroyable. Très excitant, c'est pas possible. Internationale haïtienne Nerilia Mondesi, capitaine de la sélection haïtienne de football, lui arrivé blessé dans cheville. Madame, messieurs, gros bonsoir pour nous toutes. Moun kap pale a, c'est Chacun Joseph. Déjà, moi, tout bienvenue pour une nouvelle sortie. Mais avant de partager information avec vous, maintenant, s'il vous plaît, abonnez avec page là si vous voulez faire ça. Activez cloche notification, mettez-le sous tout pour pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas vidéo ça. Dites ça vous pensez dans l'espace commentaire là, vraiment important. Et partagez vidéo ça dans notre groupe et dans notre page. Madame, messieurs, on démarre avec information yo. Le capitaine de la sélection féminine, Rilia Mondesi, yon talentueuse grenadier yo, qui arrivait touché à la cheville lors d'une sortie non maîtrisée de la gardienne lilloise dans un match qui était opposé Montpellier à Lille vendredi 3 octobre 2023. Alors, Nerilia Mondesi arrivait touchée à la cheville pendant qu'il était entré dans le match là à la 63e minute et il était obligé de quitter le terrain dans les arrêts de jeu. Une blessure a suscité un pile inquiétude là qu'il non seulement Nerilia Mondesi et équipe Montpellier. Et d'après déclaration coach Montpellier, absence potentielle Nerilia Mondesi, ta yon coup qui très dur pour équipe là. Incapable de dire, li continue pour le dire, étant donné rôle essentiel Nerilia Mondesi et étant donné capitaine équipe là. Mais équipe là rete sous suspense pendant la prétendue Nerilia Mondesi capable de récupérer totalement. Mais jusqu'à présent, madame, messieurs, en pile analyse a fait, mais médecin n'a pas communiqué qui délai Nerilia Mondesi ou bien capable de dire combien de mois Nerilia Mondesi pour être capable de passer sans qu'elle lui-même n'ait pas joué au football. Je rappelle que la sélection haïtienne a 5 joueurs qui ont figuré dans le meilleur 11 dans le match éliminatoire qui sont disputés pendant la semaine passée. Alors nous avons Ketna lui comme défenseuse. Et nous gagnons Pierre-Louis comme défenseuse. Et nous gagnons Melchidael Dumoné comme milieu. Attaquant Yosef Batsheba lui, également Nerilia Mondesi. Madame, messieurs, de l'autre côté, Melchidael Dumoné est nommé pour le prix joueuse du mois d'octobre en première division Akema dans le pays de la France. Alors, nous sommes capables de dire, auteur d'un beau début de la saison à Lyon, la pépite haïtienne est en pole position pour remporter ce prix. Alors, nous sommes capables de dire, si toutefois l'État va arriver à remporter le prix, la yon victoire pour non seulement l'équipe lyonnaise là et la sélection haïtienne. Madame, messieurs, parmi trois joueuses qui figurent, c'est Melchidael Dumoné qui a joué dans l'équipe lyonnaise là, Grace Guéillot qui a joué dans l'équipe Paris Saint-Germain, et puis nous avons Louise Fleury. Donc, madame, messieurs, nous souhaitons international haïtienne Nerilia Mondesi bon rétablissement dans un petit temps qui n'est pas trop long. Alors, capable toujours quitter un commentaire pour souhaiter Nerilia Mondesi bon retour. Parce que là, nous avons haïtienne ça au cap briller dans l'autre pays, li vraiment intéressant pour pays ya. Alors c'est fierté pays ya faire, nous gain pour devoir pour nous capable toujours encourager yo. Merci parce qu'on te prend le temps pour te suivre rubrique passeport. Moun ki te pote information pour vous, c'est tes amis Chacun Joseph. À la prochaine pour une autre sortie.